Francane au départ du quinte et Critium des 4 ans avec Elite Duruel qui s'est montré fautive assez rapidement dernièrement en gain. Que s'est-il passé? Bah oui, surprenant, c'est qu'elle était complètement dans la course, il n'y avait pas de problème, et d'un coup elle a trébuché sur l'antérieur gauche et on a eu très peur, je pensais que c'était une fêlure ou une fracture. Mais en fait, c'est juste un croche-pied, à mon avis, elle a ramené sa foulée. Donc la course était vite annulée, quoi. Auparavant, c'était plutôt bien. Vincennes, elle s'est fait ajuster par Lysion Mag, mais elle avait bien tenu sa partie. Voilà, bon, on la connaît maintenant, c'est justement qui est très, très brave, très, très compétitive, mais elle est barrée par une bonne pouliche comme celle de M. Leblanc ou d'autres, mais par contre, elle est en forme souvent à l'arrivée. Elle vous a donné entière satisfaction depuis l'entraînement, elle vous a rassuré? Bah, elle est parfaite. C'est dommage que le faux pas l'autre jour ait eu lieu parce que c'est une course plus facile pour elle, mais là, pour le Critérium, elle arrive même fraîche parce que forcément, elle n'a pas fait de course, quoi. Bon, elle était quand même à l'arrivée du Critérium des 3 ans. Il y a des mâles à nouveau, mais un petit peu moins, ça s'éclaircit. En tout cas, il y a des nouveaux adversaires. Est-ce qu'elle peut à nouveau fournir une performance qui peut lui permettre de disputer l'arrivée? Bah, elle est très courageuse. Elle manque de classe pure, vraiment. Mais par contre, oui, je suis courageuse. Qu'elle a toujours donné ce qu'elle voulait et ce qu'elle pouvait. Donc, moi, j'y crois toujours avec